Bonjour à tous et bienvenue à cet aperçu en direct du printemps 2022. On est content que vous soyez parmi nous. Si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement très curieux de savoir ce que le printemps nous réserve. Le printemps, c'est souvent une saison qu'on attend avec impatience, une saison où la terre revit, le jardinage, les oiseaux reviennent, il fait beau, on a hâte de retirer notre manteau d'ailleurs. Alors, on va parler de cet aperçu et pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà consulté notre dossier qui est déjà en ligne sur le site web de Météo Média. On a plein de détails sur cet aperçu du printemps. On va en discuter avec nos experts que vous connaissez très bien. Sans plus tarder, je vais vous les présenter. Alors, on a d'abord Régent Ouimet qui est présenté et météorologue à Météo Média. Bonjour, Régent. Bonjour. On a aussi Patrick de Bellefeuille, présentateur et expert en changement climatique. Bonjour, Patrick. Bonjour. Et André Monette, chef météorologue à Météo Média. Bonjour, André. Bonjour. Alors, bon, il neige aujourd'hui, là, c'est un petit peu déprimant. Est-ce que ça devrait nous décourager, André? Bien, c'est une autre bordée, peut-être un 10 à 15 cm là, pour le sud du Québec. On sait là, que depuis 2 semaines, là, l'hiver est vraiment actif. On a eu plusieurs tempêtes, des bordées, des cocktails météo. Donc, on avait prévu un hiver plutôt actif. Ça s'est concrétisé dans les dernières semaines et ça va continuer là, dans les prochaines semaines. Donc, oui, on a encore l'hiver bien présent au Québec. Et là, on va vous parler d'un printemps qui est lent, blanc et décevant. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on va faire ce retour justement sur l'hiver qu'on a passé. Donc, c'est un hiver qui a été marqué surtout par le froid intense. Il y a eu des tempêtes surtout en Abitibi, Saguenay. On parle de cocktails, météo. Quel bilan vous faites de l'hiver qu'on a passé? Bien, c'est un hiver quand même qui a été... qui est parti vraiment en douceur. Là. Donc, jusqu'au 10 janvier, là, on avait des températures là, qui étaient... au-dessus des normales, donc c'était allé bien comme on avait prévu. Par contre, à partir du 10 janvier, il y a eu vraiment un dôme d'air froid là, qui était bien présent au Québec, qui était très intense, puis qui est resté là plusieurs semaines. Puis on le voit là, quand on regarde là, l'anomalie pour tout l'hiver, là, décembre, janvier, février, cette période là, de 3-4 semaines vraiment froide a fait basculer là, notre bilan de l'hiver vers des températures sous les normales partout en province, sauf sur la pointe de la Gaspésie, là, où on finit un peu au-dessus. Mais donc, c'est vraiment là, le cœur de l'hiver qui a été froid. Et en février, on s'est rapproché un petit peu plus près des normales, mais le mois de janvier avait été trop froid là, pour nous permettre de rattraper les normales. Donc, ça aurait été vraiment froid en plein cœur de l'hiver, puis doux aux deux extrémités. Là. Puis un des problèmes, c'est qu'au mois de février, là, la première moitié a été... anormalement douce, si on veut, mais en deuxième moitié, là, on s'est retrouvé en décembre. Alors que c'est le contraire, habituellement, qui se produit. Donc, on a des signes encourageants à partir de la Saint-Valentin. Là. C'est pas du tout ça qui s'est produit. Donc, c'est comme si l'hiver avait figé complètement. Et encore au cours des derniers jours, on a battu des records de froid avec des températures d'entre moins 30 et moins 35 sur les régions les plus au nord. Donc, ça aide, ça, au petit côté là, décevant de ce début de printemps. Et d'ailleurs, Régent, vous avez pris le pouls de la population. Est-ce que les gens ont été déçus de l'hiver? J'ai été étonné. Je l'ai demandé. Donc, on termine cet hiver climatologique. Donc, à partir d'aujourd'hui, on passe en version printemps. C'est technique. Alors, j'ai du 49,4 qui disent oui et 50,6 qui disent non. Donc, c'est vraiment là, nez à nez. Les avis sont très partagés. Les gens, semble-t-il, n'ont pas été unanimement déçu par cette saison hivernale, même si, bon, je n'ai pas demandé s'ils étaient découragés ou pas, là. Peut-être que j'aurais eu un autre verdict. Patrick, on parlait d'un hiver qui allait être mémorable. Est-ce que pour vous, c'était mémorable avec le froid intense qu'on a eu? Écoutez, ce que j'ai remarqué de particulier cet hiver, parce que, vous savez, je suis celui qui couvre sur le terrain ce qui se passe, les tempêtes, j'ai remarqué que souvent, les bonnes accumulations de neige se produisaient dans du temps assez froid. Donc, on avait une petite neige facilement volatile, oui, mais ça avait un avantage. D'abord, pour les skieurs, c'est beaucoup mieux qu'une neige pleine d'eau qui devient rapidement de la glace. Deuxièmement, pour ceux qui sont obligés de pelleter, c'est pas mal mieux aussi pour le dos et pour l'effort, parce qu'elle est beaucoup plus légère. Et c'est une neige qui ne contient pas nécessairement beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, quand elle va fondre, elle va probablement partir rapidement et ça aura aussi une incidence sur les inondations printanières. D'accord. Et puis, bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tout le monde est connecté pour savoir à quoi va ressembler le printemps. Et d'ailleurs, on vous invite à envoyer vos questions dans la section commentaires parce qu'on veut vous lire. Nos experts vont se faire un plaisir d'y répondre. Alors, on parle d'abord d'un hiver qui va être lent au décollage, qui se fait attendre.
qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le vol va être retardé, André? Bien, on le voit là, en ce moment, là, le couvert de neige, là, par exemple, là, il est très présent, surtout là, pour la partie, là, à partir de Québec, là, en s'en allant vers le nord, là, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, on est au-dessus de la normale au niveau de la neige au sol, donc beaucoup de neige en ce moment. On le vit là, dans les derniers jours, là, les températures sont quand même froides, Patrick vient d'en parler, là, on a de la neige très volatile, donc c'est signe que c'est froid. Là. Donc ça va prendre du temps là, avant de changer ce patron météo-là là, qui est beaucoup plus hivernal en ce moment. Donc avant d'avoir un ressentiment là, de printemps avec où on peut enlever un manteau ou mettre un manteau plus léger, ça va prendre un peu plus de temps là, qu'à l'habitude. Donc, il faudra être patient avant d'aller vraiment bifurquer vers les températures vraiment printanières. Si on y va avec un printemps hâtif, là, Rebecca, en 2010, OK, la combinaison des facteurs, les températures au-dessus de zéro, c'est pas mal fini pour ce qui est des chutes de neige, c'est plus le type de précipitation principale. On se débarrasse de la neige au sol. Mais là, en 2010, là, c'était le 1er mars. En 2012, on s'en rappelle, c'est le printemps érable, le 9 mars. En 2017, le 20 février, dans le sud du Québec, on avait déjà ces signes de fin d'hiver. Ça s'appelle un printemps hâtif. Tandis qu'un printemps normal, là, bon, autour de Montréal, c'est aux alentours du 19 mars. Québec, c'est aux alentours du 27 mars. Puis, vous pouvez ajouter un bon 2-3 semaines pour le secteur le plus à l'est. Ça, c'est une situation habituelle. Et définitivement, la façon dont on est positionné, là, puis la façon dont l'atmosphère se comporte, force est de constater qu'on risque d'y aller dans une version un peu plus tardive. Quelques cas de tardifs, bien là, pour le sud du Québec, ça va à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril pour se débarrasser de l'hiver. Ça, c'est la première étape. Après ça, il faut attendre encore quelques semaines avant de se retrouver, comme disait André, là, sans manteau. Donc, des ouais, 10 degrés. Ouais, 10 degrés là, maximum qui reviennent à tous les jours. Là. Ça, à ce moment-là, on a un autre jalon du printemps et on a vraiment l'impression qu'on a les deux pieds dedans. Mais là, ça risque d'être un petit peu décalé, cette année. Alors, Patrick, on dit qu'il faudra attendre la chaleur, mais est-ce que dans un contexte de changement climatique, comment on explique ça? Parce que certaines personnes pourraient penser qu'on devrait s'attendre, au contraire, qu'il fasse toujours un peu plus chaud chaque année. Oui, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que des quatre saisons, c'est le printemps qui était le moins modifié par le changement climatique, qui voyait le moins de hausse, même s'il y en a une certaine hausse des températures, elle est moins marquée que pour les autres saisons. Mais je pense que le problème qu'on a toujours là-dedans, c'est que les gens, et je m'inclus là-dedans aussi, on pense souvent plus à notre nombril qu'à la planète. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a nécessairement aux deux pôles de la planète des dômes d'air froid, des dômes d'air glacial, ils seront toujours là. Maintenant, le nôtre, cette année, a glissé un petit peu de notre côté vers la baie d'Hudson, mais même s'il était resté sur le dessus, il serait encore là. Et donc, il faut regarder ça dans un ensemble. La Terre s'est réchauffée déjà jusqu'à présent de 1,1 degré Celsius depuis l'ère industrielle, mais au Canada, on a déjà dépassé le seuil du 1,5, qui sont les accords de Paris. Donc, ça nous pose vraiment un problème, surtout qu'on sait qu'au Canada, on va se réchauffer deux fois plus vite. D'accord, vous trouvez que ça prend du temps à s'installer, le Québec a froid encore aussi. Oui, c'est vrai. Faites juste reculer de même pas 12 mois. Pensez à la Colombie-Britannique l'été passé, où maintenant tous les scientifiques disent que ce qui s'est passé là, c'est un signe du changement climatique, où on a eu la température la plus haute jamais enregistrée au Canada, suivie de l'endroit où cette température était enregistrée, qui a été rasée par un incendie. Alors, j'ai l'impression que faut pas regarder, quand on parle de changement climatique, son nombril et sa cour en arrière, mais bien le portrait global. C'est ça, il faut regarder ça dans l'ensemble. Et on va prendre déjà une question. Il y a Nathan Piché qui nous demande une question en deux volets. Est-ce que... On va saluer Nathan. Hein? Oui, bonjour parce Nathan. Que souvent, il nous parle. En ce qui a trait aux tempêtes, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour le printemps et pour les orages? Est-ce qu'on risque d'en avoir d'ici mai? Bon, à partir du 1er mars, là, jusqu'à la fin des... jusqu'à temps qu'on ferme les livres, en moyenne, depuis 2010, on a 8,6 bordées de neige qui se manifestent au Québec. Alors, en principe, là, je regarde ce qui est arrivé au mois de février, qui était un des mois de février parmi les plus actifs qu'on ait connus. En 2016, il y a eu 8 bordées. Là, cette fois-ci, on en a eu 7 au cours du mois de février. Alors ça, c'est davantage que la moyenne. Donc, on peut facilement imaginer qu'avec le froid qui s'accroche et le régime actif qu'on connaît présentement, là, c'est un phénomène qui risque de se reproduire. Donc, au niveau des tempêtes, j'ai l'impression que le rattrapage par rapport au retard qu'on a pris cette saison, là, en termes de neige, je pense qu'on va continuer à aller dans ce sens-là. Puis pour les orages,
Bien, c'est ça. Les orages, on doit plus attendre. Bien, on peut en avoir à chaque mois de l'année, là, donc c'est pas. On en a eu même là, dans les dernières semaines là, qui ont passé près du Québec, en Ontario, dans le sud de la province. Mais les orages un peu plus estivales, il faut plus attendre à la fin avril et au mois de mai. Donc oui, on va en avoir, mais peut-être pas dans les prochaines semaines, à part quelques surprises. Mais c'est vraiment plus dans la deuxième moitié du printemps là, qu'on va avoir, on peut s'attendre à des orages au Québec. Et ce qui est spécial, il faut surveiller aussi quand on est dans un contexte froid. Donc là, on a du froid qui est bien ancré. Habituellement, l'atmosphère va commencer à se réchauffer, mais en altitude, on garde quand même un peu de froid. J'ai comme exemple, en 1994, qui est l'hiver le plus froid qu'on ait connu, ça a été un été particulièrement actif et violent en termes de tornades, avec 15 tornades observées à ce moment-là. Donc là, vous avez un réchauffement dans les basses couches, et le froid qui reste quand même présent en altitude. Donc ça vous fait un contexte là, qui favorise le développement des orages parce que là, ça s'appelle de l'instabilité. Alors, pour terminer ce volet sur le lent décollage du printemps, on prend la question de David Nadeau-Provencher qui dit qu'il espère qu'il y aura un mois de mai chaud. Est-ce que dans le cas où on a un printemps qui commence plus tard, est-ce que normalement le mois de mai sauve la donne? Bien, on n'a pas de. Ça peut aller dans tous les sens. Pas parce qu'on peut avoir les trois mois qui peuvent être frais. On peut avoir une première moitié froide, après ça, du temps un peu plus doux. Mais nous, ce qu'on prévoit, c'est vraiment que le froid va être un peu plus présent dans la première moitié du printemps. Puis la deuxième moitié, justement, ramènerait un peu plus de douceur. Là, je vous ai mis là, quelques approximations là, pour le sud du Québec. Donc, par exemple, le mois de mars, on pourrait finir entre 0 et 1 degré sur les normales. Un peu la même chose en avril, et c'est en mai là, qu'on pourrait finir au-dessus des normales, peut-être 1 à 2 degrés au-dessus des normales. Donc oui, on risque d'avoir quelques périodes de chaleur plus tard là, au mois de mai, mais ça, on va voir, là, ça va quand même prendre du temps. On sait que la normale, en ce moment, est autour de 0 moins 2 degrés dans le sud du Québec, et on va finir à 20-22 degrés là, le 31 mai. Donc on va gagner un 20-22 degrés là, dans les 90 prochains on jours. On a hâte. Et si, vous allez voir l'aperçu qu'on a enregistré, moi et Patrick, dedans, il y a justement un énoncé qui porte là-dessus. Donc, on évalue à 30 % la possibilité d'avoir de la douceur au mois de mars, à 30 % au mois d'avril, mais on gonfle le chiffre à 60 % pour ce qui est du mois de mai. Je pense qu'il faut mettre les choses en contexte aussi. Là, quand on parle de température froide ou fraîche sous les normales saisonnières, c'est certain qu'en mars, et ça, André vient d'en parler quand il nous dit qu'on est à 22 en moyenne à fin mai, bien en mars, du temps frais, c'est autour de zéro. Mais en mai, du temps frais, c'est autour de 10-12. Donc, c'est certain que ça monte. On allait en montant, mais on peut quand même, selon les statistiques, garder du temps qui est frais. Il y a quand même des gens qui n'ont pas besoin qu'on attende qu'il fasse 20 degrés pour porter des shorts. Moi, j'ai déjà vu des gens à 12-13 degrés commencer à sortir un peu plus dénudés. Surtout si tu fais de la course, même à 5-6 degrés, les courseurs commencent à mettre des pantalons un peu plus courts, même les T-shirts. Donc, ça va vite, mais effectivement, ça dépend aussi toujours du contexte. Si c'est très sec à l'extérieur, donc, le point de rosée est très bas. La sensation de fraîcheur est beaucoup plus grande, surtout s'il y a un vent inclus avec ça. Là, donc, ça ne prendra pas grand-chose pour bien évaporer la vapeur d'eau sous notre peau. Donc, ça augmente la sensation de fraîcheur. Et ça, aussitôt qu'on est à l'ombre ou qu'il y a un peu de vent, on va le sentir là, au printemps que le 20 degrés n'est pas si chaud versus un 20 degrés où c'est humide comme on a à la fin août ou septembre. Là. Il peut avoir des indices. On a tout le temps cet indice très folklorique de la marmotte, le 2 février, voit son nom, voit pas son nom, etc. Oui. Mais il y a des indices qui sont beaucoup plus simples que ça. Je veux dire, quand vous regardez l'ado moyen qui remet sa tuque, c'est parce que ça se réchauffe. Effectivement. Bien, on va prendre notre mal en patience. Il faut juste un petit peu attendre. La chaleur va venir quand même. Alors, pour les gens qui viennent de se joindre à nous à l'instant, je vous rappelle qu'on vous présente cet aperçu en direct du printemps 2022. On vous donne tous les détails sur ce à quoi s'attendre pour ce printemps, une saison chouchou, une saison qu'on attend parce que, bon, l'hiver, ça a assez duré quand même. Alors, pour ce deuxième volet, on va aborder celui de la neige. Encore la neige. La neige qui va prendre du temps à partir. La question que moi, je me pose et que je pense plusieurs personnes se posent, quand est-ce que je vais pouvoir ranger ma pelle dans mon cabanon? Bon, est-ce que vous utilisez votre pelle quand, Rebecca, ça vous prend combien de centimètres de neige avant de sortir la pelle?
Parce qu'habituellement, les chutes de neige de 5 cm, là, bon, 5 cm, c'est le balai suffit, mais en haut de ça, là, 10, 15 cm. Donc, ça vous prend une bordée pour utiliser la pelle. Ben, traditionnellement, là, deuxième semaine du mois de mars, on ferme les lits du côté de Montréal. Autour de Montréal et le sud du Québec, là, je dirais la dernière bordée, règle générale, là, dans les 10 dernières années, en moyenne, c'est le 22 avril. Mais à Montréal, comme tel, officiellement, depuis 2010, on n'a pas eu une seule bordée de 15 cm en avril. Donc, ça, donc on c'est... peut déjà ranger la pelle. Bien là, ça, c'est l'histoire là. On sait quand même qu'on a un hiver qui se détache un peu des situations, d'une situation habituelle. Donc, en gardant davantage de froid, évidemment, c'est un argument en faveur des chutes de neige. Mais là, pour l'instant, on a des systèmes qui nous amènent de la neige, mais quand même, même si le mois de février a été normal en température, on a quand même eu des épisodes de pluie et de pluie verglaçante. Et là, la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines, est-ce qu'on va commencer à injecter des systèmes un peu plus chauds? À ce moment-là, ça veut dire de la pluie. Définitivement, par contre, pour les secteurs plus au nord, là, on a un commentaire de Jimmy Desbiens, qui est un ami météo, là, qui est bien connu dans le domaine, oui. Alors qui nous rappelle qu'il y a 308 cm de neige qui sont tombés du côté de Saguenay, alors sur une normale de 230 rendue à cette date-ci. Donc, eux, ils ont pris de l'avance sur les chutes de neige parce que les systèmes qui amènent de la chaleur pour ça, le sud du Québec et de la pluie, pas besoin de pelle pour Rebecca. Si Rebecca déménage au Saguenay, là, vous allez avoir besoin de votre pelle vraisemblablement jusque tard au mois d'avril. Oui, parce que les dernières accumulations de neige, là, quand on arrive fin mars, là, dans le sud du Québec, on les pellete pas. On les méprise. On laisse ça s'accumuler. Ça va fondre de toute façon. On le voit là, en ce moment, là, pour ceux qui nous regardent en direct, là, donc les quantités de neige, donc le chiffre de gauche et les quantités de neige, là, Jimmy parlait de 308. Moi, j'avais 307. On va faire confiance à Jimmy là, que c'est 308. Mais on voit le... Oui, c'est ça. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même dans les régions gagnantes là, au niveau de la neige reçue là, cet hiver. Mais on le voit, là, Sherbrooke, pratiquement le double de moins. Montréal, une trentaine. C'est sûr qu'on s'est rattrapé là, dans les dernières semaines, justement, avec quelques bordées là, qui nous ont affectés. Mais c'est vraiment les régions plus au nord là, qui ont eu plus de neige cet hiver. Là, donc. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean est dans la région gagnante. Et l'Estrie sera un avantage tout à l'heure parce que c'est là que prend la rivière Chaudière sa source, qui tous les ans amène dans le secteur de la Beauce des débordements. Mais puisque l'Estrie a reçu moins de neige que la moyenne, ça va peut-être cette année être un peu mieux. Ouais, mais quand même, allez-y, André. Ben, si on prévoit plus de neige, c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour ceux qui sont amateurs de sport de glisse. Quand même, on pourra faire du ski de printemps, peut-être ça va durer un peu plus longtemps. Oui, bien, moi, j'ai fait du ski de fond, là, 4 jours de suite dans les derniers jours. Donc, ça, c'est rare, là, dans le sud du Québec, fin février, comme ça. D'habitude, ça finit très rapidement. Donc, oui, ski alpin, ça va bien. On a de l'abondance de neige, des températures, même qui ont été un peu trop froides, à mon goût. Là, j'étais supposé d'y aller la semaine dernière et j'ai dû canceller parce qu'il faisait moins 15 en maximum. Mais donc là, les prochaines semaines, on n'a pas de gros redoux qui va détruire la neige. Donc, on va pouvoir en profiter assurément là, au mois de mars. Puis pour les autres sports, ben pendant la relâche là, des 2 prochaines semaines, c'est aussi très agréable pour en profiter. Là. Donc, la partie mois de mars, là, de toute façon, qu'on ne pourrait pas rien faire parce que même s'il n'y avait plus de neige, ben les chemins sont vraiment pas beaux avec toute les petites roches, le sel qui a été mis. Donc, profitons-en. Il faut encore profiter des sports d'hiver pour les quelques semaines qui restent. Là. Oui. C'est ça aussi le printemps. Hein? Ski, bouette, golf. Alors, c'est ça. Le cœur du printemps, là, habituellement, bon, on aime bien ça parce qu'il y a les premières chaleurs. Là, mais le problème, puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, et que c'était plate, surtout la fin de semaine de Pâques. Là, il y a des flaques d'eau partout. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Alors, ouais. C'est ça. Alors, c'est le bout peut-être le moins intéressant. Donc, si on traîne notre neige un petit peu plus longtemps, et là, on coupe le cœur du printemps, on amène les chaleurs un peu plus fortes, un peu plus vite. Donc, ça nous donne un printemps qui peut être beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Je trouve que là, il s'agit de voir. Ça se joue, évidemment, dans le mois d'avril. Puis là, je parle de bouette, mais évidemment, bouette et flaque d'eau, ça veut pas vouloir dire, Patrick en a parlé, là, un peu, saison des inondations. C'est ça, exactement, Patrick, parce que au début de l'hiver, la première moitié, on était un peu en déficit de neige. Là, on dirait qu'on va se rattraper. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plusieurs inondations au Québec? Écoutez, pourtant, des inondations, il faut conjuguer plusieurs éléments. Il n'y a pas un seul élément qui est responsable de tout ceci. Alors, d'abord,
oui, on a des endroits où on a manqué de neige, donc il y en aura moins à fondre. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des endroits où une bonne partie de cette neige-là est quand même très, très fine, ne contient pas nécessairement beaucoup d'eau parce qu'il a neigé souvent quand il faisait très, très froid. Maintenant, dans un hiver normal, on a aussi souvent des bascules de pluie de neige, de verglas, de pluie de neige de verglas. On en a eu une grosse, cette fois-ci, la semaine dernière, mais pas autant que ça. Donc, notre couvert de neige n'a pas servi d'absorbant tant que ça pour absorber beaucoup d'eau et avoir être gorgé en eau assez pour que quand ça se mette à dégeler, tout ça, ça part d'un coup. Je pense que cette année, j'irais jusqu'à me prononcer pour vous dire que les inondations devraient être moins problématiques que ce qu'on a déjà vu. On a quand même un frein, il faut surveiller. Moi, j'ai décortiqué la neige chez nous. Là. Alors, à l'intérieur de ma neige, j'ai une bonne couche de neige fraîche, comme dit Patrick. Mais là, c'est de la glace. Ça, c'est le grésil et la pluie verglaçante. Donc, j'ai une couche là, d'à peu près à l'œil, ça me donne à peu près 2,5 cm de glace. Ça ne fond pas en criant pinot. Donc, ça va ralentir, évidemment, l'évolution de la saison. Et là, il faut voir à partir de maintenant, parce que là, il y a le capital jusqu'à maintenant, ce qu'on a au sol. Mais là, comment est-ce qu'on joue la fin de la saison? Si on se met à avoir des bordées de neige, là, c'est de la nouvelle neige qu'il va falloir faire fondre, qui risque de reporter le moment de la fonte générale. Donc, ça, c'est une première affaire. Et si on ajoute de la pluie dans notre neige, là, elle va devenir quand même pas mal moins fine. Je regardais le relevé, l'équivalence en eau, ce qu'on observe à l'heure actuelle là, pour le sud du Québec, et c'est davantage, on le comprend bien, c'est là où il y a plus de neige sur la rive nord, j'ai de 160 à 250 mm d'eau qui dort. Oh. J'ai été voir 2011, 2017. On le voit là, sur le graphique de gauche. Là. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Donc, on voit les couleurs mauves, un peu de rose là, sur la rive nord de Montréal. Puis là, à droite, c'est 2019, ça. Qui ressemble aussi à 2011-2017. Là. Donc, il y en avait davantage. Ça, ce sont des grosses années d'inondation. Mais quand même, c'est ça. On a un capital peut-être un peu moins de cette année, mais c'est toujours bien cette quantité d'eau-là qui dort et qui attend. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant avec les tempêtes de neige et le reste de la saison? Là, ça va être quand même déterminant. Et à quelle vitesse ça va se mettre à dégeler aussi? Hein? Ouais. Si ça se fait d'un coup, ça change tout. Si ça se fait lentement, c'est autre chose. Oui, on se demande si on est voué à avoir de plus en plus des printemps, peut-être un peu plus pluvieux, un peu plus, où est-ce qu'il y a plus de précipitations, puis justement un peu plus propice aux inondations. La réorganisation du patron des précipitations, c'est certain que dans l'avenir, va être modifiée. Ça, on le sait déjà, c'est normal, ça fait partie du concept des changements climatiques. Mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement, pour nous, vouloir dire qu'on va avoir plus d'inondations, plus de problèmes, parce qu'encore une fois, comme on le souligne depuis le début de ce sujet, c'est plusieurs éléments. Qu'est-ce qu'il y a dans la neige? Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Est-ce que c'est une grosse... Quelle vitesse elle fonce? Oui. C'est d'un coup? Est-ce qu'il y a tout d'un coup, dans la période de fonte, de la pluie? Souvenez-vous des inondations qu'il y a eu à Gatineau en 2018? Si je ne me trompe pas, 2017 ou 2018? 2017 et 2019. Okay, alors, je pense que c'est celle de 2017. Il s'est mis, à un moment donné, là, en avril, à pleuvoir. Et ce qu'on avait depuis le début d'avril commencé à réussir à garder la tête hors de l'eau, puis c'était pas si pire cette année, ça a carrément dégénéré là. Et rentré en mai, là, il y avait de l'eau partout. Bien, on le voit là, avec notre carte là, d'aperçu des précipitations. Donc, on prévoit plus de précipitations que la normale. La clé pour avoir des inondations, oui, il faut un capital de neige, comme Patrick et Réjean ont mentionné. Ça, c'est un des éléments. Cette année, on l'a, mais on n'est pas dans le tapis. Là. Donc, on n'a pas énormément de capital d'eau disponible là, mais on en a. Le deuxième, il faut beaucoup de pluie, mais il faut que ça se fasse pendant la fonte de la neige. Si on a ça à la fin mai, quand il n'y a plus de neige, ça ne fera pas des grandes inondations. Puis les années où ça a été problématique, 2019-2017, on a eu des mois d'avril très, très pluvieux. Donc, cette zone de précipitation-là survient pendant la fonte, c'est là que ça peut causer problème. Ça va être à surveiller parce qu'on en prévoit plus que la normale là, des précipitations. Puis en plus de ça, en 2017, à Gatineau, si je ne fais pas erreur, c'est à partir du 20 avril, on ne repasse plus ni de jour ni de nuit sous zéro. Là, tout d'un coup, ça part. C'est ça. Et j'ai d'ailleurs, on va prendre une question parce qu'on a plusieurs questions du public. Une question d'ailleurs de Éric Lapointe. Je ne pense pas que c'est le chanteur, mais donc, quand pouvons-nous nous attendre à avoir des températures au-dessus de zéro pour chaque journée sur une certaine durabilité? La journée internationale des femmes, c'est le 8 mars. À Montréal, c'est à partir du 8 mars en moyenne. Ça, c'est un truc pour s'en rappeler, là.
Excellent. Là, OK, ça, c'est bon pour Montréal. Puis après ça, bien, là, vous pouvez ajouter un 7 à 10 jours pour ce qui est de Québec. Et puis là, bien, pour les au-dessus de zéro durable, c'est davantage dans la troisième, quatrième semaine du mois de mars pour les régions plus au nord de l'Abitibi en s'en allant vers la côte nord. Parfait. Alors, ça, c'est en temps normal. Oui, oui, en temps normal, c'est ça. On peut s'attendre. Donc, on attend la journée de la femme pour avoir peut-être des températures un peu plus stables. On va passer au troisième volet sur le printemps décevant. On dirait que, messieurs, vous avez juste des mauvaises nouvelles à nous apporter. Un printemps qui va être décevant. On prévoit plus de précipitations qu'à la normale, mais il y a tout de même quelques surprises. Il y a des surprises, André, qui nous attendent. Oui, bien, tu sais, quand on dit là, plus de précipitations que la normale, ça ne veut pas dire qu'il pleut à chaque jour. Là. Donc, il peut y avoir des gros systèmes qui viennent amener beaucoup de pluie en peu de temps, donc qui fait gonfler les précipitations. Mais ça reste qu'une belle journée de printemps, il fait 6-7 degrés, avec du soleil, pas trop de vent. Il n'y a pas grand-chose qui bat ça, parce qu'on part de loin. Là. On part de 3-4 mois où il fait noir à 16h, 16h30. Il fait froid, on est obligé de mettre du gants de 6-7 degrés avec du soleil. Donc, on peut avoir quand même des très belles journées là-dedans. Là. On vous dit pas qu'il va mouiller 90 jours. Là. Donc, ouais, en moyenne, là, on peut s'attendre à quand même là, le deux tiers des journées là, sans précipitation. Là. Donc, on va quand même pouvoir en profiter. Donc, ça va être les beaux moments du printemps. Là. Donc, c'est pas gâché complètement comme printemps. Là. Et c'est pas tout le monde non plus qui est déçu. Là. Il y a Yannick Lajeunesse qui dit « On est si bien en hiver. » Lui, il n'attend pas le printemps nécessairement avec impatience. Il y a un truc hésitant comme ça. Ça peut être très bon pour les sucres. Oui, oui. Là, parlons-en de cette saison des sucres, justement. Donc, ça devrait être une belle saison. Bien là, l'entaillage a commencé à se faire du côté de la Montérégie. Là, c'est traditionnel, on fait ça au mois de février. Par contre, les vieux vous diront que si on entaille trop vite, là, c'est pas tellement bon parce qu'il risque d'y avoir cicatrisation si on a des périodes de froid. Et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle. Donc, la patience est de mise. Sauf que de nos jours, la façon dont ça fonctionne, les érablières, c'est pas 50 érables, là, c'est des milliers. Alors, c'est vraiment un gros travail. C'est quelque chose d'assez imposant. La saison traditionnellement des sucres au Québec, là, c'était fin de la deuxième semaine du mois de mars jusqu'au cœur du mois d'avril. Donc, ça joue aussi là, avec un peu en fonction de Pâques. Là, on disait Pâques marque soit le début, soit la fin des sucres. Cette année, Pâques, c'est le 17 avril. Donc, ça me donne quand même une petite idée. Mais règle générale, c'est vrai qu'on a commencé à avoir des coulées aussitôt qu'on a des périodes de temps un petit peu plus doux. Mais là, il faut quand même que les racines soient dégelées. Faut que l'érable ait les pieds dans l'eau aussi, pour que la sève commence à monter. Puis là, ça vous prend évidemment le fameux battement de température là, du plus 5 puis du moins 5. On a eu un hiver froid, un mois de février froid, mais il faut quand même garder à l'esprit que le 16 février, il a fait 10 degrés en Montérégie. Ça, c'est un mois plus tôt qu'à l'accoutumée. Quand on parlait de ce qu'on aurait comme beau côté au printemps, bien, c'est aussi ça. Il y a un effet surprise au printemps. Dans un printemps qui est décevant, là, vous avez une éclosion. À un moment donné, là, vous pouvez vous ramasser avec 2-3 jours où là, on a des températures au-dessus de 15 degrés. Je peux bien croire qu'il y a des rechutes après, là, mais quand même, ce sont ces instants-là qui sont bénis, là, qui font que le printemps est si beau au Québec. Alors, je pense que notre printemps cette année pourrait nous offrir justement des éclosions, là, des belles surprises comme ça. Alors, en terminant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous aimez le plus faire durant le printemps? Pour moi, c'est le jardinage, commencer mes semis tranquillement à l'intérieur pour ensuite les sortir à l'extérieur puis commencer à préparer la cour. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Peut-être Patrick? Moi, mon passe-temps étant donné que je suis ébéniste, c'est vraiment quand je peux commencer à travailler la porte du garage ouverte. Ah. Là, avec l'air, parce que c'est renfermé, la poussière de bois, là, bon, il faut se mettre des masques et compagnie. Là. C'est bien quand on peut commencer à faire aérer un petit peu l'atelier. Là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis j'aime ça faire du vélo. Alors, on va déclipper ce cyclable, on a enlevé la petite pierraille. Là. Je suis assez content. Pour vous, André? Bien, moi aussi, le vélo. Je fais du vélo intérieur. J'ai une base d'entraînement. C'est quand même très plaisant, mais il n'y a rien qui bat les premières sorties à l'extérieur, donc j'ai hâte. Les deux dernières années, j'ai pu commencer à la fin mars, où il n'y avait plus de neige au sol à Montréal, puis qu'il n'y avait plus de glace. Donc, j'espère pouvoir commencer aussi là, à la fin mars, sans salir mon vélo et risquer de chuter. Là. Donc, le vélo au printemps, c'est dur à battre. Réja?
Bien là, on va avoir l'air d'une gang de bicycles. Moi aussi, c'est le vélo. Puis bon, actuellement, je le prends, le vélo, pendant l'hiver. Mais là, encore une fois, cette année, là, on s'est ramassé avec des babines de glace de chaque côté des rues. Je veux bien croire que les pistes cyclables soient bien entretenues, que la pierraille et tout, mais le problème, c'est que vous vous promenez sur une piste cyclable, à un moment donné, ça n'aboutit pas. Quand vous voulez vous déplacer pour venir au bureau, vous êtes obligé de faire du portage, ce n'est pas tellement intéressant. Donc, ça prend, et là, je reviens à ce que je disais tantôt, la glace, ça ne fond pas aussi vite que de la neige. Donc, cette espèce de glace brune-là, là, ça prend un certain temps. Normalement, les premières journées du mois de mars, je renoue avec le vélo. Mais là, tout est à faire. Je pense que je vais le vouvoyer quand je vais le prendre. on a en tout cas, merci beaucoup pour vos lumières, parce qu'on a vraiment hâte au printemps, malgré le fait qu'on parle de printemps qui soit lent, blanc, décevant. Il y a quand même des bonnes nouvelles, puis il y a des gens qui vont pouvoir continuer à faire des sports d'hiver plus longtemps. Donc, c'est pas nécessairement, je veux dire, tant que ça, hors de la normale. Est-ce qu'on est quand même dans un printemps qu'on pourrait qualifier normal? Est-ce que c'est habituellement un peu comme ça? C'est un peu décevant de faire le printemps. Bien, le printemps, c'est la saison des attentes. Hein? Fait que, on est comme ça au Québec, là, définitivement. Je pense que ce qu'on voudrait, c'est du 15-20 degrés là, rapidement. Et puis là, on passe à autre chose, on s'en va sur les terrasses. Le problème, c'est que la réalité météo du Québec, c'est pas exactement ça. Jimmy Desbiens nous rappelle aussi, côté positif, on s'en va à l'heure d'été dans la nuit du 12 au 13 mars. Alors, c'est un autre volet, là, la clarté en début de soirée. Alors, ça nous incite à penser aussi. Autre chose, je pense que je trouve intéressant de signaler aussi, c'est tout à l'heure, on parlait des sports d'hiver, etc. Il y a un truc qui est absolument merveilleux et c'est le ski de printemps. Mais là, cette année, puisque les stations de ski, ça n'a pas parti vite au début parce que ça ne décollait pas, ils vont peut-être pouvoir se permettre une saison de ski de printemps où là, les gens sont contents, il fait beau, on skie le manteau ouvert, on s'assoit sur la terrasse, on regarde les autres descendre. Bon, tout le plaisir qui va avec le ski de printemps, de sentir que le soleil est maintenant un petit peu plus directement sur nous. Ça va être un excellent côté de notre printemps. Ben oui, c'est ça. Donc, on n'a pas juste des mauvaises nouvelles, on a des bonnes nouvelles à vous donner. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cet aperçu en direct du printemps 2022. Si jamais vous êtes arrivé trop tard dans la discussion ou si jamais vous souhaitez simplement réécouter ce direct parce que vous aimez tellement nos experts, ils sont si bons. Alors, vous pouvez vous rendre soit sur Facebook ou sur YouTube, ça va être publié au courant de la journée. Et je vous rappelle qu'on a un dossier complet avec tous les détails de ce printemps qui est en ligne sur météomédia.com. Donc, je vous invite à le consulter. Alors, Régent Ouimet, Patrick de Bellefeuille, André Monette, merci beaucoup pour votre expertise. Merci d'avoir pu assouvir notre curiosité sur le printemps. Je vous remercie.